Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Urs. On va continuer notre petite gestion de bibliothèque. Sachant que j'ai avancé un petit peu cette semaine en off parce que j'avais vraiment envie de progresser, j'aime beaucoup le jeu et malheureusement j'avais pas l'opportunité de faire des lives. C'est pas trop grave, hein. On a ouvert quelques salles, appris quelques compétences. J'ai réussi à trouver deux endroits pour améliorer mes deux compétences là, donc ça fait bien plaisir. Et on était pas trop mal. Donc, on a eu nos premiers livres maudits, ouais, exact. Dont un livre là avec une infestation de vers qui se répand sur les objets proches. Donc, je sais pas encore, enfin j'ai pas encore réussi à m'en débarrasser. C'est indiqué hein, à chaque fois dans toutes les malédictions. C'est marqué, il faut essayer de l'enlever avec une compétence qui est efficace contre tel truc. Donc ici une curse, une malédiction. Et au moins 7 Hertz. Mais c'est tendu à voir parce que souvent les skills qui vont bien ils sont pas du bon type. Par exemple celui-là, il faut un skill efficace contre les infestations et au moins 7 divers. Sauf que du coup le seul skill que j'ai il est de type Earth. Enfin je crois qu'il y en a deux maintenant. Ouais, il y a celui-là, il est de type Earth et celui-là est de type Moon. Du coup, c'est pas simple d'atteindre les valeurs qu'il faut comme il faut. Mais on va y arriver petit à petit. Tac, tac, tac. Donc aujourd'hui, c'est le début de la journée. On vient juste d'avoir des nuages. On avait des livres à livrer, ouais. Tout à fait. Là, on avait un petit phonographe record de type Hertz qu'on pouvait peut-être réussir. 8,2 Hertz, c'est un peu élevé. Ça, c'est 4, mais on parle pas la langue. Le Sky, on a toujours pas. Là, on a du Moon qui est carrément accessible. Le Moon, ça devrait être une promenade de santé. On va le faire tout de suite. Hop. Donc là, on est à 2. 2 de Moon, il nous faudrait un skill. Bah voilà, un skill à 6. Comme ça, on est à 8. Et on n'en parle plus. Et je voulais aussi essayer de crafter quelques trucs aujourd'hui. Parce qu'on commence à avoir des skills quand même un petit peu améliorés. Il y a peut-être moyen d'avoir assez facilement... S'il nous faudrait du Moon. Assez facilement, genre de la lanterne par exemple. Là c'est 2, ça me semble juste. On pourrait avoir du Moon sinon. Alors on pourrait faire la lentille ici. La lentille elle nous permet d'avoir des bonus de lanterne. C'est un outil donc on peut l'utiliser dans les trucs. Alors par contre du coup je peux mettre une aide. Est-ce que je peux mettre là un autre skill? Là je peux mettre quoi? Un outil. Alors un outil, on a ça qui est de type lanterne. Voilà, on va pouvoir fabriquer ça. C'est parti. On va essayer de crafter des trucs, un petit peu, pour voir un peu. Ah oui, il fallait qu'on regarde, c'était quoi ce bus, pour voir si maintenant qu'on a ouvert tous les escaliers, ou pas. S'en servir. Alors ici, on a un petit labo d'alchimiste. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs, ouais, avec ça. C'est du rose. Du coup, je peux le mettre, mais ça m'apporte rien. Solution. Alors, on a la préparation de Solomon qui donne 4 divers, donc ça nous permettrait d'atteindre les 10. Quoi tu me proposes? On a 11 en hiver là. Pourquoi tu me proposes pas de faire de l'hiver? Normalement si, il y a... Tous les trucs, il y a... Tu vois... Bah ouais, il doit falloir... Alors, for a scholar level recipe, crush a flower, mix a pal en chilling draws.
flower. C'est le genre de truc qu'on peut trouver, une flower. Putain. Et Spell and Chillingdross. Chilling, c'est froid, non? Wolf no ampoule. Ah, et là on peut fabriquer la Solomon Preparation. Excellent. Donc c'est Ink of Containment with Scholar Level plus Flower fabrique la préparation de Solomon. Du coup, je suis peut-être pas obligé de mettre un truc aussi valeureux dedans. Est-ce que si je fous de la vieille flotte, ça marche? C'est que 9 du coup. Il faudrait mon whist améliorer. Ça coûterait quand même moins cher. D'accord. Très bien. On va servir ça. On ne consommera pas tout déjà. Il ne restait rien d'autre. Le cliché a disparu exactement. Pareil, de l'eau de type eau de base. Donc c'est pas suffisant. Après, si on rajoute une petite mémoire, ce sera suffisant. On va se faire une petite mémoire. Il nous faudrait un regret. Ça, c'est l'étagère des regrets, c'est ça. Un regret qu'on peut lire. Allez, vendu. On va générer un regret, c'est 2 de Winter, ça va nous permettre de faire ça assez facilement. Et du coup, bah, on n'a toujours pas la moyen de générer des plantes parce qu'on n'a absolument aucun skill en nectar. Je suis en train de me demander, c'est pas marqué skill, c'est marqué knowledge. Est-ce qu'on peut mettre un livre? Ouais, non, c'est ça. Il faut que ça soit de type skill, bien sûr. Ok. Donc il faudrait qu'on arrive à maîtriser un skill de type nectar. Le problème, c'est que... Je crois pas qu'on ait de nectar 2. J'ai rien de ma petite bibliothèque, nectar 1. Nectar 1. Toujours un petit peu coincé parce qu'on a toujours pas débloqué le skill qui fait du sky et du nectar. Donc pour l'instant on est coincé, on n'est pas coincé, mais sur ces trucs-là on est coincé en tout cas. Niveau fleurs et niveau sky, ces livres-là, on sait pas encore les gérer. Alors, ça donne quoi? C'est du souchon qui donne de la forge. Ok, très bien. C'est juste une petite statue. Abduction or salvation. On peut imaginer qu'il est en train de sauver la fille ou qu'il est en train de l'enlever. On sait pas. Et ici, dans la salle des miroirs, on pourrait faire quoi dans la salle des miroirs? Un truc de type lumière. Et un autre truc de type lumière. Un souvenir ici. Ok. On pourrait fabriquer des trucs. Avec du grail. On pourrait mettre ça. Ça, un skill de type grail. Quoi? Beguiling Melody. Et sinon, je peux faire des poupées visiblement. Si je rajoute du tissu. On peut mettre de la vie dans les poupées. Si je mets ça. Une witching tisane. Regarde, on va essayer. On va regarder un petit peu les possibilités qu'on a de création. Ça peut être rigolo. Là, on a l'orgue. Alors l'orgue, c'est plutôt forge. Forge, on n'a pas grand chose. On a juste ça.
C'est quand même à 2 déjà. L'application peut mettre de la musique, un élément de l'esprit, l'inspiration, un souvenir. Et salut Azurheim, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ah, on avait déjà crafté le Bitter Black Salt. Ma thune. Ah mais non, mais du coup j'ai pas regardé le truc. Oh merde. Faut pas me hurler dessus comme ça, Chobiti là. On va le faire une fête et aller travailler un peu puisque tu veux qu'on fasse de l'argent. C'est parti. On est pété de thunes. Faire autre chose avec nos trucs. J'espère que ça va bien sur AIM. Voilà, nos livres à cataloguer ils sont là. On a des curias à cataloguer. On va les cataloguer. Deux bouquins en même temps que le reste fonctionne. On va bientôt terminer. Alors, on récupère une petite lanterne qui fait un petit peu de forge, un petit peu d'edge, deux de lanterne et deux de sky. Ça c'est cool, ça peut nous aider. En train de masteriser, très bien. Alors avec deux de lanterne, je pense qu'on les a déjà pas mal avancés les livres. Il faudrait un livre. Oula, excusez-moi. Hop là, excusez-nous, petite toux de Chobiti. Dernier week-end avant la reprise du taf. Ah bah oui, j'avoue, carrément, faut profiter là. Alors, voilà. Ça, c'est un livre qu'on a déjà maîtrisé, mais on sait qu'il est de type Mystery Lanterne. On voit que le seul truc de type lanterne qu'on a, c'est celui-là, il est à 8. 8, c'est quand même Tandax. 8, c'est quand même Tandax. Alors, est-ce qu'on peut essayer de s'occuper de ces trucs? 7 en knock, il faut. En knock, on avait le shaft, et sinon. 7 en hert, ça c'est à 2. Il nous faut un skill efficace contre les malédictions. Est-ce que tu peux me dire un secret? Ben oui, pourquoi pas. Le cas de. Ah, de Nock. Ça, c'est la corruption. Toplasmique contamination. Corruption. Ça, c'est de l'infestation. Ah. Curse. Donc du coup on a quoi qui fait du curse? On a que celui-là, il n'est pas du tout de type Earth malheureusement. Ni de type Nox. Déjà qu'au début tu trouvais le jeu fouillu, alors maintenant t'as l'impression d'un souk. Bah c'est une histoire de bien ranger, hein. De toute façon la bibliothèque, tu vois, on progresse, on a fait, ouais, il y a quand même tout ça, une bonne moitié on va dire. Et là, on commence à arriver sur des endroits où vraiment il faut des valeurs de fou pour débloquer. On peut plus s'en tirer avec juste nos compétences de base. Bah ouais, il y a plein de pièces avec plein de choses à faire. Donc là, j'ai rangé tous mes livres que j'ai déjà travaillé avec les souvenirs du coup. Donc quand on clique dessus, là, ça me dit quel souvenir c'est et je peux les générer du coup pour m'aider. Ça, c'est tous les livres déjà catalogués, mais que je n'ai pas encore la capacité de lire.
Et ça, c'est mes livres à cataloguer. Et du coup, j'ai mis les livres maudits tout là-bas, notamment parce que lui, là, il a une infestation qui est censée pouvoir se répandre sur les objets proches. Donc je l'ai mis le plus loin possible. Est-ce qu'avec les cendres là, on pourrait pas faire des trucs dans notre petit laboratoire d'alchimie? Je remets ça. Il fallait des fleurs. Tiens, là il y a des fleurs. Il nous faut un skill. On va mettre ça. Je peux mettre le vert. Mais on est qu'à 9. Oui, on était en train de fabriquer un souvenir pour nous aider là-dessus. Si j'utilise avec un beuvrage, je pourrais faire la liqueur qui est un précurseur de la grande encre. Donc le truc de Solomon là, c'est un précurseur de la grande encre. Intéressant, si je mets ça. Et ça, non pas ça, ça, ça me dit quoi? Ça me donne pas d'autres indices pour le moment. Du coup, la cendre ne sert à rien. On va quand même la laisser sur l'étagère là. Je pense qu'elle doit pouvoir aller dans substance. Elle peut aller dans substance. C'est 3. 3 de Winter. Là, je suis à 5. En termes de skill qui fait de l'hiver. Ça, c'est 3. Ça, c'est 2. Si je mets ça, ça me dit quoi? On peut fabriquer de l'encre, tiens, si on fait ça. If I crush in a leaf, add brew more potent than much more dangerous ink. Ouais, faudrait que je le mette ici un thé. La cuisine. Après, le problème, c'est que ça, c'est pas du tout de type hiver. Oui, mais si je fais quelque chose dessus, ça les dissout, ça les détruit. Je peux pas les préparer plus. Alors après, je les transforme en thé, mais c'est pas une solution. Okay. Alors, j'ai des trucs qui m'attendent. Ici, ah oui, ici j'ai fabriqué une tisane. Ok, très bien. Parfait. C'était la petite tisane qu'on pouvait faire qui fait du grail. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir générer de la tisane pour notre petite dame qui nous donne un coup de main sur le grail. Et ici on a on générait juste un regret. Ok, parfait. Du coup, avec le regret dans le labo, pouvoir faire un truc de Solomon. Mon encre. Et le regret pour atteindre 10 et on peut faire la préparation de Solomon. Et on va en faire parce qu'elle est très forte, la préparation de Solomon. C'est 4 de Winter. Et en plus, c'est un beverage, donc normalement on peut le donner à notre assistant. Donc ça permettrait de bien le booster en winter. Alors là on va terminer, cette fois on regarde. Alors c'était la seconde librarian. Voilà, parfait. Alors, seconde librarian. Tac, ici. Cinquième baron. Seconde librarian. Voilà. Lançons une petite musique. Alors les musiques, on peut toujours les passer, les lancer, etc. C'est assez cool. Ici, on a catalogué ça. Ambrosiole. C'est 8 de forge.
C'est un peu élevé. Et ici, on a catalogué un 10 de morse. Alors le morse, malheureusement, on n'a aucun endroit où travailler dessus pour le moment. On est un peu coincé avec celui-là aussi. On est obligé de travailler dans notre ici si on voulait faire du moss. Pas sûr qu'on en ait beaucoup. Je crois qu'on a un skill qui donne pas mal de moss. Ça donne 1, ça donne 1. Ouais. Srist qui donne du moss. Et vu qu'on en a un amélioré qui doit traîner je ne sais où, on doit avoir 3. Il y aura peut-être moyen, il y aura peut-être moyen avec une de nos compétences là. Ok. Ici ça travaille. Est-ce qu'on veut essayer d'étudier notre truc de phonographe 6 de Hertz. Donc ça pour le lire, il faut le phonographe, on l'a débloqué juste quand on s'est arrêté de jouer avec Chobiti. Donc on peut le lire ici. Ça c'est 2 de Hertz. Et en skill qui fait du Hertz. Du Hertz. Là on a 2. Là on a 1. Là on a 1. Donc là on a 2. Ce serait à 4 pour 6. Il nous faudrait une memory. Ou une memory. Ou ouais. Required une memory. Je crois qu'on en a une mémoire qui fait du Hertz 2, et on l'a débloqué récemment. Solace. Il nous faut Solace. Alors voyons voir. C'est un truc qui est pas gros, donc ça doit être là. Non, ça c'est Révélation. Solace. Voilà. Alors il faut qu'on lise. On va le lire avec Fête. Générer souvenir et on pourra creuser le phonographe. Parfait. Ici on va cataloguer lui. Une journée studieuse. Là on a bientôt avoir une compétence du coup. Alors ici j'ai mis notre lit et j'ai mis le plus d'outils possible, donc on a des outils, alors les outils donnent un bonus de 1, c'est pas ouf mais ça peut aider. Les poupées flippantes elles donnent des gros bonus par contre, mais c'est des usages uniques. Les trucs à usage unique donnent des gros bonus souvent. Alors ici, on a encore, non ça c'est le truc qu'on a utilisé, donc on a The World Despoil, qu'est-ce qu'il donne? Ah bah il donne du Solace tiens. Ah bah on va pouvoir tout de suite. Alors on va le noter. Donc le livre, c'est World Spoil de Solace de... et Sky, je crois. Sky. Et il nous donne quoi comme leçon? Ah, on va pouvoir améliorer notre Magifen Mysteries, qui est efficace contre la corruption. Alors déjà, on va le ranger. Alors je pensais pas avoir un autre truc de type Solace. Donc du coup, ça va là. Parfait, on a de la place. Est-ce qu'il est parti, ce con? Il est revenu. Faut que je pense à le mettre, ouais. Faut que je pense à le mettre là, comme ça il va dans mon inventaire après. Toi, tu vas ici, avec Solace, parfait. Et du coup, on peut attaquer le phonographe. Direct. On avait le Chor, ce truc-là, Solace, et on est à 6. Et puis bah du coup, le souvenir qu'on est en train de faire là, il va nous servir à monter 7 niveaux, hein. On va passer niveau 2 avec ça. On pourra peut-être la tune quelque part du coup, ça c'est cool.
aura la thune exactement. Alors, on a des trucs qui s'est terminé. Ici, on a fini de travailler. La thune. Voilà, on va faire de la thune. Chumiki. Important. Alors, ça, c'est du Sky Level 4. Ah, 4, on peut faire du Sky Level 4 quand même. Ouais, entre les souvenirs et tout, ouais. Même avec un skill pourri, on doit pouvoir avoir ce qu'il faut. Je sais plus si on est obligé de mettre un skill qui match le mystery, on va vérifier. On va vérifier ça. Dès qu'on a terminé là. Voilà, là. On récupère un deuxième soleil. Donc si je mets ça. Je mets ça. Non, je pourrais travailler dessus. Il faut juste que j'arrive à atteindre 4 de sky. Je crois qu'on a au moins un souvenir qui doit donner du Sky 2. Ouais, celui-là, il donne du Sky 2. Savage Hymn. Et du coup... En termes de skill... Là, on a un skill level 2 de type Sky. Donc on a 3 de Sky avec ça, déjà. Du coup, je pourrais, ouais. En utilisant ça, je peux direct. Ah, si on pouvait avoir une... commencer à générer un peu de Sky, ce serait cool. C'est parti. Je suis obligé de travailler là par contre. Mais bon, c'est pas grave. Même ça, ça donne 2 de Sky d'ailleurs, si besoin. Mais pour ça, il faut un bureau. Pour pouvoir mettre un outil. Ok, bah on n'a plus rien pour la journée. On va pouvoir travailler sur notre leçon tranquillement dans la soirée. Non, il nous faudrait un aspect pas fatigué pour ça. Et un... truc de type moon et on a ça, ouais, ça peut valoir le coup de payer un petit peu là. Et ok, c'est ça, Solomon de préparation, c'est la précurseur de la grande encre nilicante. Cool. Cool, cool, donc on sait préparer le truc de Solomon. Et en plus on sait que si on arrive à le gérer bien. J'imagine que ça doit être après au niveau 12. Au niveau 15. Au niveau 15. Ouais, 15, ça commence à faire. 15, ça commence à faire. Et quelle heure là? On peut se faire une sieste hein, sinon, tout simplement. Est-ce qu'on a du Aingrod disponible? Non. Faut qu'on en refasse. Bah non, on dirait que non. Après, je peux me servir un verre de vin. Hein. Hop, un petit vin à la con. Toc. On se fait une petite sieste. Une 30, je pense que ça va passer. Tellement pété de thunes, c'est vraiment abusé. C'est vraiment histoire d'économiser, quoi. On va masteriser ça. Alors du coup... Oui, mais avec la thune, on peut acheter du chocolat. Avec la thune, on peut acheter du chocolat, oui. Alors, William le Rouge décrit les 7 formes dans lesquelles il voit le monde. La vipère, le chat, le renard, l'aigle, l'ours, le corbeau et Dove, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Et il a tout mis dans un symbole de soleil. Douve, c'est pas la taupe, c'est mort la taupe. Ouais, je sais pas. Ah, et là du coup, on a réussi à enregistrer ce truc là. Alors, du coup, les interviews de Velletri. Ça donne un Stolen Secret. Thank you.
donne 2 de moon et 1. Je crois qu'on a déjà ça. Déjà vu au moins une fois. Du coup, on a eu Edict inviolable. Ok. On a l'Edict martial et l'Edict inviolable, du coup. Bon, on va finir de travailler là-dessus. Et après, on passera Magiphen Mysteries au level 2. Tant qu'on a encore le souvenir. Et est-ce qu'on va pas pour... Alors, non, parce que justement j'ai fait une sieste là. On aura pas besoin de deux pour les télosons. Non, non, j'en ai pas besoin. J'ai pas regardé ce que ça faisait. Seven face au Ficarus, ça m'a généré une fire. Ok, c'est une fire. Donc faire c'est 2 de scale et 1 de je sais plus quoi de edge. Et t'as vu sur une fusion. Edge et scale 2. Et du coup on a ça. On va pouvoir monter. Alors déjà on va ranger le livre au bon endroit. Faire ça va là. Comment ça va être plein là hein. Qu'on échange avec le... Peut-être falloir qu'on le mette dans un grand, ouais. On verra si on a encore un livre, ça va. Si on en a deux, on rangera mieux. Et du coup, on a effectivement moyen de monter ça. Et là, par contre, il nous faudrait un deuxième truc soigné, mais ça va être tendu même en payant, là. C'est 60 secondes. Donc, non, pas. On va pas se précipiter. On va attendre un peu. On va finir notre sieste avec lui. J'arrête de parler quand tu... Là. Et là, on a ce qu'il faut normalement. Donc, toi, ça comme effort, on met une leçon et on met une mémoire qui match. Et on va pouvoir améliorer ça. Et du coup, bah, on apprendra le Edict inviolable sur la fin de la nuit, vu que c'est 30 secondes, ça devrait le faire. Et on va aller voir si avec ça on peut pas, avec un niveau 2, aller le mettre dans l'arme de la sagesse du coup. C'est Sky ça, donc si on a un petit truc de temps à la con, il y aura peut-être moyen aussi. Pardon, je clique à côté. Hop là, on est niveau 2 et on peut apprendre ça, et ça demande pas d'effort. Ça demande pas d'effort. Alors ça c'est du Ushery. Ushery, on a déjà notre level 2 et en preservation c'est là. On a déjà notre level 2 aussi. Okay. Pour l'instant ça on peut pas s'en servir malheureusement. Enfin pas dans l'arme de la sagesse, on peut bien sûr s'en servir, mais pas dans l'arme de la sagesse. Et du coup, on va perdre ces petits souvenirs, c'est pas hyper grave, c'est pas du souvenir très cher à faire. J'aimerais bien quand même essayer de me débarrasser de ça. Le Winter, du coup, maintenant qu'on sait faire du truc de Solomon, il y a peut-être moyen. Hein. Même sans le skill, il y a peut-être moyen. Alors ça, c'est Auroch Mastery et Préservation aussi, donc ça ne nous sert à rien pour le moment. Par contre, 2 de Herd, c'est pas mal. Alors, on va voir ce qu'on a comme temps. Sunny. Déjà, ça pourrait nous servir pour ça. Donc on va le faire. Ah oui, non, parce qu'on va le monter level 3, donc il nous en faut 2.
grave. On a des trucs en sky ou en lanterne à ouvrir, bah toujours oui, mais en souvenir à deux comme ça, c'est pas hyper intéressant. Enfin, c'est toujours bien, mais on peut en générer quoi. Pas la peine de se précipiter dessus. Des fois, on a des souvenirs de type Wither qui sont à 3. Là, par contre, c'est hyper intéressant. Du coup, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on essaye de s'occuper de ça. Donc, il nous faudrait un endroit où on peut mettre éventuellement de l'hiver, ce serait bien. Là, c'est du moon. Ça, c'est compliqué en fait. Le fait que les ateliers soient spécifiques à ce point. Oui. Enfin, je trouve compliqué dans le fond. Ah, est-ce que je peux me mettre sur un bureau? Ça se trouve, il faut que je travaille sur mon cerveau, ça. Là, je peux le mettre. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je le mette dans un bureau de type Winter. Et alors, les skills efficaces contre l'infestation, on a celui-là. Et celui-là. Celui-là est de type Scale, donc il pourrait aller là. Et du coup, il nous faut au moins 7 divers, c'est ça ? Est-ce que je peux le mettre sur le sur ce truc là? Non. Soul skill memory. Donc est-ce que j'ai une encre qui collerait? La petite catwink là, non. Ça c'est un. Et la Solomon. Bah la Solomon c'est... elle est pas de type encre, je crois pas. Donc je pourrais pas la mettre. Ouais, c'est un liquide et un beverage, mais je pourrais pas la mettre. Je crois que dans les bureaux, là. Il faut un outil ou une encre. Outil de type Winter. Pas, hein. Non. Moon. Sky, on a lanterne. Ça, ça donne pas du Winter. Non, ça n'est pas du Winter, ça. Non, bah non, 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 on est baisé. Parce qu'on peut avoir, du coup... 3 plus un souvenir à 2, ça fait 5. Et il nous manque un 2. Il nous manque un 2. Donc il nous faudrait soit un meilleur souvenir... soit un endroit où on peut mettre un skill supplémentaire... t'as qu'un endroit avec pas de choix là éventuellement, ce serait bien ça. Avec juste un petit plus. Là genre là. Non. Ouais, il y a un plus mais oui, c'est, on peut quand même mettre que des trucs limités. Et là. Là on peut mettre des outils. Ok, donc malheureusement non, visiblement pour l'instant c'est pas possible encore. Il nous faudrait une encre de type Winter en fait. Est-ce que le Engrao c'est considéré comme de type Winter? Comme une encre, je suis pas sûr. On va en fabriquer un, parce qu'on peut le boire mais je pense pas que ce soit une encre. Ça paraît très bizarre. On va en fabriquer un pour en avoir en avance de toute façon. Et il nous faudrait un deuxième souvenir de type Sky ou Scale. On va faire un regret. Hop. Moi je veux qu'on trouve le chat. Bah ouais, je sais qu'il y a un chat quelque part, mais qu'est-ce que je... J'ai ouvert tous les jardins a priori, donc je sais pas où il est. Dans les bois, tu veux qu'on aille là? Chose surtout. Du
garbage, comme dirait l'autre. J'ai déjà commencé à mettre des bouts de bois un peu partout là parce que j'avais pas la place de les ranger. Oui, s'ils sont utiles, ouais. Ça peut nous aider. On va essayer de voir, hein. On a quoi comme bois? Là, on en a un qui donne du winter. Là, c'est le même. Il donne du winter, celui-là donne du nectar et du moon. Pas de skill qui donne de nectar. On a Else qui donne un nectar. On peut avoir deux de nectar. Ouais, on n'aura jamais des trucs comme ça. On peut essayer d'ouvrir le puits. Alors, j'avais noté ce qui donnait. Il y en a aucun qui donne du moon. Donc on va aller voir ce qu'il y a à la taverne. On va mettre un petit peu de sous et on va voir un peu qui. Il est disponible pour nous aider. Neuf ici, 8 c'est gérable. Là pareil, le 6. On va aller demander à Mrs. Kell de venir. On devrait pouvoir booster son Hertz assez facilement. Il nous faudrait un souvenir de type Hertz. On a dit que c'était Solace. Hein. Et ça, Solace. Solace, c'est là. Hop. T'as dit il faut. Non, pas pour la trouve. J'allais dire faut le mettre dans le truc, mais non. Hop là. Ok, on va avoir un souvenir. On va avoir notre propre truc. Et normalement, on a de quoi boire. Hein. Ouais, on peut lui filer genre des petits pilchards par exemple. C'est un. Des macros, c'est pas assez. Petite jaja? Non, pas une petite jaja. Du miel? Ça, c'est du 1. Ça, c'est 2 en grail. Du raisin? Non. Ah, tout ça, c'est 1. On va mettre pause 2 secondes, le temps que ça se dépile. Voilà, déjà qu'on commence à discuter avec elle. Hop, voilà. Il va falloir qu'on apprenne à cuisiner. Il va falloir qu'on apprenne à cuisiner. Voilà. Alors là, on a gré notre Egrao, mais notre Egrao, elle est liquide et beverage, et ça, c'est pas une encre. De toute façon, c'est que. Alors ici, on a une peintre surréaliste hein, qui fait du grêle, du moss ou du rose. Ouais. Ouais. Pas très utile, mademoiselle, pour le moment. Là, il y a éventuellement, mais elle a atteint 9. À moins qu'elle ait un très bon start, ça paraît compliqué. Ok, là, on va pouvoir travailler sur notre leçon. Tuck, tuck. On va mettre ça sur type scale. Hop là, on peut l'avancer au level 3. Ce sera déjà ça de fait. Donc, la surréaliste peinteur, elle nous sert à rien. Alors, là, une gros, on peut pas la poser là, on a plus de place dans notre nombre. On va la poser sur cette table. Je peux la poser sur la table? Là, je peux la poser là. Ok! Rien qui travaille là. Bon, faut qu'on fasse monter elle. Donc il faut qu'on trouve ah mais ça va le faire en fait parce que là elle va avoir 3 de Hertz, elle en aura 2 avec le souvenir et on lui filera bah ouais un petit macro ou un truc du style et ce sera bon. Parfait. Parfait, parfait. On va aller bosser. Alors là, on va générer notre petit soleil. Avec notre twist level 3, là, on peut faire un truc.
skill de type Winter. Rhizome un vraiment de bronze là. Qu'est-ce qu'on fabrique avec ça? Il faudrait que j'ajoute un 9. Je ferai éclore quelque chose de malicieux et argenté. On avait un 9. Là. Par contre, il faut que je trouve un endroit où je peux mettre l'eau. Peut-être à la cuisine. Paf, paf, paf. Ah, mais oui, mais on peut pas mettre d'hiver, putain. Le piano, non. Le métier à tisser, non. Après, c'était du moon qu'il fallait en vrai, mais non, c'est pareil, ça colle pas. Bah oui, je me doute bien que tu veux ton œuf, mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Là, je peux mettre un paper, je pourrais pas mettre un œuf. Avec les miroirs, là, je peux mettre quoi? Des chandelles. C'est ballot. Mais pourquoi en Winter il me propose rien? C'est bizarre. Je suis à 10. Alors Bittersweet Certainty c'est un souvenir, donc c'est pas hyper intéressant. Mais là il me propose de faire du moon, ça veut dire que ce truc là a plutôt un potentiel de moon du coup. On peut peut-être crafter que le truc principal, bah c'est même pas le truc principal, c'est 7 de Winter. Ah non, c'est naze. Ouais, bon. Bah ouais, on peut rien faire avec ton œuf, je suis désolé, hein, mais ici là on peut faire quoi? Pas de Winter, ça va. On est sûr de l'énerver là. C'est d'autres qui a du moon. Y'a que Cerise qui a du moon. Et ça, c'est de type pareil, moon et winter, donc de toute façon je peux pas le mettre là. Ok. Ça marche pas. Alors du coup, si on essayait de faire un truc de type scale, le seul scale qu'on a c'est le Hertz et il est en train de bosser. Ici on peut mettre du Edge, on peut mettre du Forge. Là on a deux de Forge. Si je mets ça... Alors, il faut que je mette du ten et un ingrédient qui va bien. Du ten. Ten, ça y est. Ouais. J'imagine ten fuel peut-être. Ten. Ah oui, ten, bah non, pardon, oui, ten, ten forge, t'as raison. Non, mais pff, bien sûr, après il dit 15 en plus. Et un ingrédient qui va bien. Ok, donc c'est pas. Vous êtes pas trop quoi. Bon, c'est dommage pour l'œuf, j'avoue, ça a l'air d'être rigolo ce qu'on pouvait fabriquer, mais... On va faire d'autres essais avec toi. Un skill de type Winter. Donc on a déjà essayé l'encre, on a déjà essayé toi, on peut essayer toi. Là je crois que je t'avais déjà essayé toi. On peut faire de l'encre, là on peut faire du Engero également. C'est un peu naze. Naze. Alors si on veut faire du grail par exemple, on pourrait faire du sky avec ça, parce que ça c'est sky 3. Est-ce qu'on a un truc? Non, on n'a pas de truc de type sky, donc ça sert à rien. Donc si on voulait du grail plutôt, ça. À
fabriqué. Ah oui, le Beginning Melody, pareil, c'est un souvenir, donc c'est pas ouf. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et toi? Les histoires de la mire. C'est 6. Ok, on pourrait faire une tisane. Ah, ça fait pas rêver. Et avec ça, un souvenir aussi. Ouais. Non, on n'est pas encore à 10. Il faudrait qu'on ajoute une fabrique. Ouais, du tissu, mais tant qu'à faire, on ferait aussi un affaire là, je pense. Donc on peut pas faire de grêle là. C'est notre métier à tisser. Mais on a ça, c'est de la fabrique, c'est le seul truc de type fabrique qu'on a, je crois. Ouais. Bah il faudrait qu'on en commande, est-ce qu'on peut en commander? Avec ça par exemple. Du cuivre, de la glu, du jambon, différents trucs, du papier. Du beurre. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen de commander du tissu. Ça, c'est pareil. Je crois que c'est du coup, c'est spécifiquement que de la bouffe. Ah, quoique non, il y a de l'arsenic. Des witchworms desséchés. Armagnac, tac tac, de la bouffe. Ouais, non. Globalement, c'est de la nourriture qu'on peut commander. On n'a pas vraiment de. De moyens de commander des trucs. Alors, après, si on fait Begging Again, c'est fait. Parce que ça nous recommande peut-être la même chose que la dernière fois. On va essayer. Alors là, on a récupéré des fleurs. Bien content. Je suis bien content. Ici, on a monté notre Fern Feather, hein, à cause du Sky Level 4, ça c'est bien. Toi, on a fini de papoter, on va pouvoir parler de nos souvenirs vaguement pas communs. Non, soleil, ça va, c'est la pluie après le beau temps. Le beau temps après la pluie. Oui, ça va. Enfin, le... La paix après le trouble. Du coup... Ouais non, ça... Ah non, bah Begging Again, ça doit être vraiment pour effacer avant de l'envoyer, du coup. Oui, j'étais en train de me dire Shrink Out, c'est ça, ouais. De l'encre. Shrink Out the Order, ouais, c'est ça. Okay. Si on veut commander autre chose que ce qu'on a écrit. C'est pas très intéressant dans le contexte, hein. Bon, cette journée n'est pas hyper productive. Hein. Bah ouais, je pense qu'on va cataloguer du bouquin du coup. Hein. De mieux. Recatalogage déjà. Elle, il faut encore qu'on lui file une tasse de thé ou un truc du style et après on sera bien. Les pichons, qu'on lui donne les pichons. La mère nous a donné. Les pilchards. D'ailleurs, on va aller en chercher d'autres. Est-ce qu'il y a un truc qui marche en l'air? Ça, ça marche. Et ici, à chaque fois je fais du Wolf Story, mais on peut mettre quelque chose d'autre. Hein. Tiens, ça, si je mets un truc level 6. Est-ce que ça me donne quelque chose de plus fort? On va essayer. Pourquoi je peux pas dézoomer? Parce que je suis zoomé au maximum. Et du coup ici pareil, je mets souvent le Wolf Story. On va mettre Fur and Feather, tiens. Je suis déjà zoomé au max, jusqu'ici c'est très bon. Et du coup, bah, les fleurs, on va peut-être pouvoir les poser quelque part. Pour refaire de la préparation de soin.
Alors, Five Création, 14 de monstres. Tout de suite. Et là, 6 de lanterne. Ça, c'est jouable. Carrément jouable, même. C'est peut-être même carrément jouable tout de suite. Et là, 4 de grêle. C'est hyper jouable également. En plus, on a lui qui nous reste là. Faire deux masteries, je pense. Là. Elle est rendue à 5, il nous faut 6, donc on va lui filer, on a dit un pichon. Hop. Non, des pichons. Et du coup, il nous faut. Il va nous falloir des souvenirs par contre. On n'a pas assez. Il va nous manquer un truc. Il nous faudrait un souvenir de type lanterne. Et salut! Et vu que ce serait ardu, tu es venu! Oui, ça doit être Ardarine. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, il va falloir qu'on génère ça. Et il va falloir qu'on repose un Ereb. C'est que toi maintenant, mais. C'est que toi maintenant, oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. C'est vrai que c'était le dernier live de Broodav déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant? La semaine d'avant? La semaine dernière? Ça passe vite. T'es pas là de toute façon. Et pardon, les 15 derniers jours. La semaine d'avant, ouais, il me semblait bien. Alors celui-là, on peut pas le cataloguer, donc on va le ranger. Par contre, ces deux-là, on va travailler dessus. En plus, on va pouvoir utiliser notre petit truc là pour avoir le 2 de lanterne. C'est parfait. C'est plus agénique ou pas? Ça, c'est de l'usage unique. Ouais. Le device, là, le numéro dessus, ça donne le nombre de fois qu'on peut l'utiliser. Et si jamais il est infernal, il explose, donc en plus, ça peut nous blesser, j'imagine, ou détruire des trucs. Alors ici, il faut qu'on repose un Ereb. Ah oui, on est hyper, hyper pauvre. Et du coup, vu qu'on repose un RM, on va générer... Alors là, on génère un Soleil. Ouais, on n'a même pas besoin de souvenirs, en fait. Là, je suis en train de... C'est juste une tête. Il faut juste le bureau qui fait du Grail. Il est là. Non. Là. On met ça. On met n'importe quel skill de Grail, parce qu'on est largement... dessus, voilà. 4 pour 4. 4 pour 4, c'est parti. 4 pour 4. Du coup, il nous faut juste un soleil pour ça. Plus la petite lanterne, là, la petite lentille. Et on sera bien. Et elle va être prête à temps. Bon, du coup, on a reposé le verre pour rien, c'est pas grave. On cataloguera quelque chose, par exemple. Donc là, on est à 6. Tranquillement arrivé en haut de la tour. Hein. Voir le soleil bientôt. J'imagine que ça va être 7 ici. C'était un Oliest et Molinf. Okay. Ah oui, c'est le truc que la meuf a dit qu'elle avait synthétisé à propos de ses, avec ses propres larmes. Du vieux sapin pourri. Parfait. Je peux pas y aller avec du
Avec du REB, je ne peux pas y aller. Du vieux sable pourri. Du coup, on va cataloguer. Hop, comme ça. Occasionnellement contaminé. Il a l'air très mal en point. Ben, c'est marqué Lost, Frightened, Eager. Beast. When it moves, oh, et c'est pas le vent, c'est pas une personne. Ok, très bien. Bah, je sais pas, c'est de type confort, alors qu'est-ce qu'on peut en foutre? On peut talk avec lui? Ah oui, on peut lui donner à bouffer. Allez, j'ai plus d'effort du coup. J'ai tout cassé. On n'est pas, j'avoue, à tomber sur un chien. Il pourrait manger ça. Des petits maquereaux. On peut pas manger le sable. Non, faut que ce soit de type quelque chose. Alors, on a eu la bruit de la salle ouverte là. Oh. Un dispensaire, matière, substance. Unconventional therapies. Bien. Il y a des livres. Il y a des trucs là. Westcott Compounds, ok. Igor Vitreus, ici ça c'est un outil ça non? De type Moss, ok. Un œuf de vipère. Avec leur œuf de vipère. Tanglebrag, donc il y a des bouquins. Il y a un autre sablier là, ok. Ah, ça c'est un outil. De type Grail, cool. Ça a du Catwing, un petit truc de loup là. The Dark Aftermath of Dark Ink. Ok, on commence à avoir des trucs intéressants. Bon, on va ranger l'œuf, ça fera de la place. Le chien, on peut le mettre quelque part. On va faire un truc là. C'est juste pour. C'est juste que je peux le mettre genre dans le jardin par exemple. Ah oui. Profite des vieilles branches partout là. On va le mettre là pour le moment, comme ça il est bien enfermé. Il finira à bouffer demain. Alors le bureau il est là, on va mettre les bleus ici. Tac, tac. Ça rentre pas. Mais on a passé... Là on va passer la nuit de toute façon. Oui là c'est trop tard pour faire un dodo. Et ça c'est 6. Ah 6 aussi. Ah bah on va l'ouvrir demain. Et toi du coup 10 en lanterne. 10, 6 c'est faisable. Sans rien de particulier. Si on rajoute la lanterne on atteint 8 assez facilement. Est-ce qu'ici on a des skills à plus? Ça c'est 1, et le pyrotechnique qu'on était en train d'utiliser là, il était à 2 je crois. Non c'était pas là. C'est ce bureau là, voilà. Là. Remonte le chat. Il était à 2, donc on peut avoir 2, 4, le souvenir 6, on peut avoir 8 facile. Pour avoir 10 il faudrait une encre ou le faire au tirage après. Ouais, bon, on a une aspartine à 6 ici. C'est un peu con de l'utiliser pour ça. Celle-là, c'est à 2. On pourrait le faire avec ça. Si on voulait. On pourrait aussi faire 2 souvenirs, utiliser un autre skill. Il y a moyen. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sécur. On va la prendre.
Et on le fera demain. Du coup, t'as pas regardé celui qui était faisable? Si, c'est lui. Oui, mais l'autre, t'as pas dit que c'était. Ah non, Ah, c'était l'autre, une il y en a. porte. C'était une porte. Oui, c'était une porte que t'as dit que c'était faisable. Ah oui, c'est la porte, oui, on fera demain, ouais. Je pensais qu'elle serait à 7, mais en fait elle est à 6 comme celle-là, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'ouvrir sans problème, hein. Ça va être une chambre pour le coup. Et il y a un bureau. Il y a un bureau. Il a l'air d'avoir un buste aussi, ouais, tout à fait. Tiens, c'est un truc ça. Une espèce d'horloge Brazen Clock, ok. Là, on a fini un truc. Ah, on a terminé. The Wind's Rune. Bellinging Melody. Winds. Et donc, c'est Beguiling Melody. Ah, c'est un truc à 4. Je dirais une 2. Une 2. Et donc, du coup, ça nous donne Applebright Euphony. Ok. Intéressant. Oh oui, j'y vais, j'y vais. Alors, Bellinging Melody, normalement, on l'a déjà vu. Quasiment sûr. Ou alors je l'avais juste fabriqué. Peut-être juste fabriqué. On va le mettre là. Beginning Melody. Grail 2. Sky 2. C'est cool d'avoir un Grail 2 parce que c'est pareil, ça va nous permettre de bien booster la sage-femme. Et donc il nous reste celui-là qui travaille, et ce sera bon pour la journée. Par un livre d'un type qui se prenait pour un dieu. Ça dit « Je suis le héros du soleil inconquérable, qu'on ne peut pas conquérir. Le mec qui comprend la lumière. » Variation de la déclaration qui a unifié alors les églises. Alors excusez-moi, il y a ça qui veut grimper là. Elle vient. Allez, on va terminer ça et on arrêtera l'épisode de VOD. Un bon petit épisode, mine de rien. Chien. Et on a eu un chien, tout à fait. On a eu un chien, c'est vrai. Alors, le gospel de Nicodémus. Une révélation, il nous apprend. Ok. Ah, on pourrait presque enchaîner lui, ça veut dire. Oh non, il est trop tard. On va noter. Gospel de Nicodémus. Hidden Révélation. Révélation, c'est lanterne. Lanterne de. Lanterne 2. Par contre, je crois que on n'avait pas la place de le mettre. Je crois que je l'ai mis dans le tout petit truc, la révélation. Ouais. On va le mettre là, la place. Révélation. Lanterne 2. Hop, tu viens là. Tu viens là. Et on enlève les tickets. Et ça, on enlève. Voilà. Et du coup, on pourra s'occuper de ça demain. On va donc faire les leçons. Oui, chat, oui. Oui, je sais qu'il a dit ça, Ardarine. Je ne savais pas qu'il avait dit ça, Ardarine. Allez, on finit les leçons pour la journée. Hop. Il paraît qu'il y en a un dans le jeu. Il paraît qu'il y en a un dans le jeu, ouais, tout à fait. Il apparaît sur les screenshots de Steam, je crois. Mais déjà, je suis contente qu'on ait eu un chien. Pas du tout à quoi ça va nous servir, ça va nous permettre de faire des trucs en plus.
là. Et ça aussi. Bon. Alors du coup, Sacra Solis Invictis. Deux de lanterne, efficace contre les corruptions. Contre les malédictions. Bah, des level 1, c'est pas sûr. Hein. Allez, on va attendre le souvenir du jour. Et c'est Sunny, bah ok, parfait, on va pouvoir faire notre truc direct du coup. On va s'arrêter là pour cet épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. On boit un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.